C'est une opération de reprise de sac à dos ou de cartable. Les clients reviennent avec leur ancien sac que nous rachetons avec deux bons d'achat de 5 euros, donc 10 euros au total, qui sont réutilisables en magasin. Le but, c'est effectivement de pouvoir recycler ce sac à dos, car on travaille avec le Secours Populaire. Donc si les sacs sont réutilisables, on les donne au Secours Populaire et ensuite de pouvoir rééquiper les clients avec des sacs à dos plus récents et plus solides. C'est la deuxième fois qu'on le fait, c'est la première fois, il me semble, qu'on le fait avec le Secours Populaire, mais c'est une opération qu'on avait déjà faite il y a quelques temps et qu'on a décidé de reconduire cette année parce qu'on pense que le recyclage est important. C'était une opération qui avait été bien accueillie par nos clients, c'est une opération qui n'avait pas été promue en termes de communication, donc c'était pas un grand raz-de-marée de retour de sac, mais les clients étaient plutôt contents de pouvoir savoir qu'ils pouvaient le faire. Pas forcément. De toute façon, on reprend tout. Et s'ils sont réutilisables, ceux-là, on les redistribue au Secours Populaire. Et s'ils ne le sont pas ? S'ils ne le sont pas, on travaille avec une entreprise où on va les recycler et faire en sorte que ce soit réutilisé. Je pense qu'aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir être facilitant pour tout le monde. Et si en plus, on peut permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir des fournitures, oui. Donc oui, je pense qu'on pourra regarder pour décliner sur d'autres affaires, bien sûr.